Merci de nous être fidèles. La chaîne Sefia TV est au rendez-vous de cette édition 2019, édition plutôt agréable, une belle édition, on en parlait justement en off, avec Jean-Michel Castel, chef de marché agroalimentaire, Jérémy Cohen, Kint Account Manager, bienvenue à tous les deux. Vous Merci. Représentez la société Messer France. Tout à fait. En quelques mots, Messer France. Alors, Messer France, nous produisons et distribuons du gaz industriel, du gaz alimentaire, des gaz spéciaux, médicaux, sur toute la France. Vous allez réaliser, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste vous ajouter, tel que l'azote, l'oxygène, le dioxyde de carbone. Vous allez préciser tout cela dans quelques instants, puisque c'est lors de la keynote, ici, sur le plateau de Sefia TV. Juste avant, votre société est habituée au Sefia, vous êtes fidèle depuis longtemps. Oui. On est présent tous les ans au CFIA, à Rennes, on vient aussi tous les deux ans à Lyon. Et voilà, c'est pour nous un rendez-vous incontournable tous les ans pour montrer un peu nos développements et puis rencontrer nos clients. Est-ce que c'est un bon cru ? Alors oui, on peut le dire que c'est un bon cru. Beaucoup de visiteurs et beaucoup de personnes très intéressées par les applications qu'on propose. Donc pour Exactement. Nous, c'est une très très bonne édition. La nouvelle version vous plaît ? Nouveau hall ? Nouveau hall, oui, Nouveau tout à fait. Nouveau hall, joli salon, keynote, tout va bien. Allons-y, keynote justement, je vous laisse vous diriger du côté de cet espace pupitre. Merci. Ne passez pas devant Merci la caméra, beaucoup. Passez bien derrière. Quant à nous, le temps qu'il s'installe, je vous annonce la suite. Il y aura Foodtech Village, le challenge des startups. Deux startups vont s'affronter dans quelques instants. En tout cas, vont s'accompagner et vont pitcher pour vous. Convaincre la keynote Messer France, c'est tout de suite. Alors, tout d'abord un point sur Messer. Donc, Messer a été créé en 1898. Nous venons de fêter les 120 ans de la société. 2019 a marqué un tournant avec des acquisitions sur le continent américain. Donc, aujourd'hui, on peut dire que Messer est la plus grande entreprise familiale spécialisée dans les gaz industriels et donc producteur de gaz oxygène, azote, CO2, mais comme je l'ai dit, médical, gaz spéciaux, etc. Donc plus qu'une gamme complète de gaz, nous proposons également des solutions complètes et innovantes pour nos clients et prospects. Donc on va développer tout ça, tout ce qui concerne l'agroalimentaire. En France, nous sommes présents sur tout le territoire. Nous sommes environ 360. Et quelques chiffres clés. Donc je vais vous les montrer. Donc Messer, c'est 8 agences commerciales réparties sur tout le territoire, 5 unités de séparation de l'air, 6 centres de conditionnement avec une technologie de conditionnement en 300 bars et également 3 unités de production de CO2. Donc nous allons dans cette keynote vous présenter les applications agroalimentaires. On va commencer par l'atmosphère modifiée, puis différentes applications qui vous seront présentées par Jérémy Cohen sur la surgélation et d'autres applications. Donc nous allons commencer par l'atmosphère modifiée. L'atmosphère modifiée, donc le MAP, c'est un acronyme qui veut dire Modified Atmosphere Packaging. On vient tout simplement dans un contenant, dans une barquette operculée par exemple, tirer au vide, enlever l'air et réinjecter un mélange gazeux qui va permettre d'augmenter principalement la DLC de vos produits. Les techniques consistent donc, voilà, comme je voulais dire, à remplacer l'air. Sur le produit, donc nous maintenons les qualités organoleptiques. Nous avons également un maintien des qualités nutritionnelles. Nous empêchons l'oxydation de vos produits. Et également, on empêche la formation de germes, dégagement d'odeurs ou de mauvais goûts. Côté industriel, on augmente forcément, la première volonté, c'est d'augmenter la date limite de consommation des produits. Et également de réduire l'utilisation d'autres additifs. Et enfin, donc, permet d'obtenir une présentation soignée suivant comment vous voulez mettre en œuvre en fait, votre produit. On peut voir que le MAP est une alternative pour augmenter la conservation de vos produits et notamment la fraîcheur. Il y a différentes
applications de conservation, donc il y a la surgélation, mais on voit qu'au-delà de la surgélation, ce qui va maintenir la fraîcheur et la durée de votre produit, c'est l'atmosphère modifiée. On voit sur le graphique, ce qui emmène le plus loin la qualité, c'est l'atmosphère modifiée et bien sûr la réfrigération des produits. Pour parler de notre gamme, donc en agroalimentaire, chez Messer, on a une gamme gourmet, qui est une gamme où le gaz peut être en contact direct avec les aliments. Et chaque gaz aura des avantages. Notamment, le gourmet N, qui est le gaz azote chez nous, permet d'inerter, de prendre la place dans le produit, éviter l'écrasement de la barquette, par exemple, ou de poches comme le Flowpack. On peut utiliser de l'argon, du CO2 pour la partie bactériostatique. Donc on a différentes concentrations de mélange qui permet justement en fonction des produits, on va nous déterminer le bon mélange pour vos produits et donc par des essais vous accompagner. Et enfin on a de l'oxygène, par exemple pour les viandes rouges, booster la couleur, ça peut être intéressant pour les clients. Voilà. J'en ai fini pour la partie atmosphère modifiée. Je vais passer la parole à Jérémy Cohen qui va développer toutes les autres applications liées à l'agroalimentaire chez nous. Merci Jean-Michel. Donc on va continuer. Moi je vais vous parler un peu plus en détail des applications qui vont utiliser les propriétés frigorifiques de nos gaz, notamment l'azote et le CO2. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près la même quantité de froid dans un kilo de CO2 que dans un litre d'azote, d'accord ? Et chacun des deux produits va pouvoir être utilisé dans plein d'équipements différents, en statique ou en dynamique, pour pouvoir justement transférer ces frigories aux produits que vous voulez traiter, pour le refroidir, pour le croûter ou pour le surgeler. Donc la surgélation cryogénique, c'est vraiment ça. C'est pouvoir traiter un produit efficacement, rapidement, dans le cas d'une surgélation, le figer dans un état très très proche de son état frais pour pouvoir garantir la conservation de ses propriétés bactériostatiques, organoleptiques et aussi sa tenue mécanique quand le produit va remonter en température. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, les micro-cristaux qui vont se former dans le produit, contrairement à d'autres technologies où on va avoir des températures de traitement beaucoup plus hautes et des temps beaucoup plus longs. Voilà. Pour cette activité, on va avoir plusieurs types d'équipements, que ce soit pour du refroidissement, de la surgélation ou du croûtage. Notre première gamme, c'est la gamme Cryojet. Cette gamme-là, donc c'est notre gamme de cellules. Donc, qui dit cellule dit équipement en statique, donc des procédés discontinus. Cellules, donc équipements dans lesquels on va pouvoir venir charger, par exemple, des chariots sur lesquels vous allez positionner vos produits, qu'on va pouvoir traiter sur des durées bien définies, soit à l'azote ou au CO2. Le grand intérêt de ces machines-là, c'est qu'elles sont équipées d'automates en couleur, tactile, qui va vous permettre de programmer différentes recettes sur différentes durées, temps d'utilisation, des températures de traitement. On va même pouvoir, sur ces équipements qui sont très robustes, récupérer des données de production. Le type de cycle, l'heure à laquelle vous le faites. Donc pour tout ce qui est traçage qualité, c'est très intéressant. On a en standard deux tailles, mais... typiquement, pour ce genre d'équipement, on peut faire un peu ce qu'on veut, mettre une porte devant, une porte derrière, ajouter des ventilateurs, des bus d'injection en plus. Enfin, voilà. Ce sont des équipements très versatiles. Le procédé globalement est même, mais on est cette fois sur un équipement en continu. Là, on parle des tunnels de surgélation, donc de notre gamme CryoSpeed. On va avoir un principe équivalent, on va injecter un gaz sous forme liquide pour libérer des frigories sur le produit, mais on va travailler en continu. Un produit rentre à gauche, il va ressortir à droite. Grâce à ces équipements, on va pouvoir travailler sur des tonnages plus importants, par exemple 500, 600, 800 kHz, voire même sur des équipements encore plus gros, dépasser une tonne heure. Voilà. Donc, comme sur les cellules, de nombreuses options possibles. On peut très bien mettre des tapis pleins pour les produits susceptibles de coller, rajouter des ventilateurs en plus, avoir plusieurs zones de réglage de la température. Donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir traiter son produit correctement. Un exemple, donc un tunnel, ça ressemble à ça. Schématiquement, on va avoir donc une entrée pour le produit, ici sur la gauche, une sortie sur la droite, et
différents points d'injection sur la machine, ainsi que l'extraction des gaz, en entrée et en sortie, ou l'un ou l'autre. Ça, ça va permettre de travailler en toute sécurité dans vos ateliers, pour vos équipes, puisque le gaz qui est utilisé au niveau du refroidissement va être extrait vers l'extérieur, et non pas dans votre atelier. Voilà. Donc là, on a typiquement un exemple pour de l'azote. Pour le CO2, on est sur des équipements similaires avec différents points d'injection. Voilà. Comme je vous l'ai dit auparavant, le croûtage, on peut le faire très bien dans une cellule ou dans un tunnel en définissant un temps de traitement. Mais on a aussi d'autres équipements qu'on peut intégrer sur des lignes de production pour gagner de la place. Parmi ces équipements, on a les croûteuses. Donc des croûteuses, ce sont tout simplement, de la même façon, des équipements cryo qu'on va venir intégrer, par exemple, sur un convoyeur pour pouvoir utiliser les frigories transmises par de la neige carbonique pour durcir un produit. On peut faire ça, par exemple, sur des boulettes de viande qu'on va vouloir rendre vraiment unitaires au moment de l'emballage. On peut aussi faire ça, comme vous le voyez sur l'image, sur des desserts multicouches. On va venir superposer une couche très chaude avec une couche très froide. On va pouvoir, grâce à ces équipements, refroidir très vite une surface pour pouvoir garantir la superposition de plusieurs éléments. Voilà. Une autre technologie d'application, ce qu'on appelle chez nous la gamme Variomix. Donc c'est une gamme qui regroupe nos clapets d'injection, que vous voyez donc sur la présentation, qui sont des clapets qui fonctionnent aussi bien en azote qu'au CO2, et qu'on va venir positionner sur plein d'équipements différents, des cutters, des hachoirs mélangeurs, des broyeurs, des pétrins. L'objectif est simple, injecter un fluide comme de l'azote ou du CO2 pour libérer des frigories en cours de mélange. Ça peut très bien s'implanter sur le dessous d'une cuve comme sur le dessus. L'intérêt, c'est comme le système est compact, on va pouvoir répondre à peu près à toutes les configurations sur un matériel qui est déjà existant. Voilà. Pour justement accompagner ce premier système, Variomix, on en a développé un deuxième, l'Eco2 Twister, qui est simplement, je dirais, son cousin, pas si éloigné que ça, où on va avoir un seul point de connexion sur une machine. Si vous regardez le petit schéma, on va, via un point de connexion, réaliser en même temps l'injection de neige carbonique et l'extraction du CO2 gazeux qui va être issu du changement d'état du CO2 liquide. Donc ça va éviter d'avoir par exemple à percer une machine à deux endroits différents. On va directement implanter ce système-là sur l'équipement que vous avez et on va pouvoir faire aussi bien l'injection de frigorie que l'extraction de gaz par un seul endroit. Et ça, c'est vraiment intéressant. Toujours sur la partie CO2, qui est vraiment un produit très très intéressant sur l'agroalimentaire, on a plus de 300 applications sur l'utilisation du CO2, dont une grande partie sur l'agro. La production de neige carbonique sur site, c'est-à-dire que si vous avez à gérer par exemple des envois de matières premières ou des besoins en frigorie sur des procédés établis, pour lesquels c'est compliqué de faire des modifications sur l'existant, on va pouvoir produire dans des bacs de la neige carbonique que vous pourrez ensuite utiliser dans vos process. Donc ce sont des machines qu'on va pouvoir intégrer en intérieur, en extérieur. On a même aussi chez nous un produit qui s'appelle le cryo de Pâques, grâce auquel on va venir injecter cette neige dans des sacs qui sont faits pour ça. Et donc vous allez pouvoir ainsi gérer des envois de matières premières, d'échantillons ou même de produits finis. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on a vraiment une très grande palette d'applications, notamment avec le CO2. On dit plus de 300 applications, beaucoup en agroalimentaire. Quelques-unes sont explicitées ici. Les collines, qui est notre gamme associée à tout ce qui est transport sous température dirigée, pour les remplacements des groupes froids qui fonctionnent au diesel par des groupes froids utilisant de l'azote liquide. On a également des process de carbonatation pour les boissons. On travaille beaucoup dans les serres également pour l'enrichissement des ambiances pour favoriser la croissance des végétaux ou des légumes. Et d'autres applications assez variées sur la partie agro. Dernier point, on dispose à Mitry-Mory en région parisienne d'un centre d'essai dans lequel on a des modèles réduits de quasiment tous les équipements qu'on est capable de vous proposer et qui peuvent nous permettre de vous accompagner pour faire des tests et pour vraiment définir les bons équipements et les bons paramètres dont vous aurez besoin sur vos sites pour améliorer vos procédés. Voilà.
une petite carte de France avec la liste de tous nos commerciaux sur le territoire. Vous retrouvez ces infos sur notre site internet www.messer.fr où vous pourrez avoir plus de détails sur les applications, sur les interlocuteurs sur votre secteur et sur l'historique de la société Messer en France notamment. Merci, merci la société Messer France, Jean-Michel Castel, chef de marché agroalimentaire, et Jérémy Cohen, Kit Account Manager. Voilà l'instant. Si vous aussi, vous souhaitez réserver votre keynote l'année prochaine sur le CEFIA 2020, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'organisation GL Event. Donc, producteurs et distributeurs de gaz et des solutions d'application pour leur utilisation. Messer France, c'était la keynote Messer France. Merci à tous les deux. À tout de suite.